我密室。 0-15. Thank you.
volta. Orantes, un jeu partout, premier point. Quinze.
Borg mène 2-1 dans le premier set. Deuxième service. Thank you.
là-bas les fautes. Manteaux sur les bâches, pas pourquoi. Les manteaux. Mettez vos manteaux sur les bâches. Guerre, France.
Deuxième salle. Égalité. Avantage orientel.
2, bon. Il mène 4, 2 dans le premier set. Bonjour, nous sommes sur le cours central du parc impérial à Nice sous un ciel parfaitement bleu et un soleil qui fait déjà penser aux vacances d'été. Et face à face pour cette finale d'un tournoi coté à 50 000 $, le Suédois Björn Borg, tête de série numéro 1, champion du monde et tout, et l'Espagnol Manuel Orantes, tête de série numéro 2, mais dont on ne savait pas qu'il pourrait aller aussi loin dans ce tournoi puisqu'il se remet doucement d'un tennis elbow qu'il a tenu éloigné des cours pendant quelques mois. Finale logique que nous allons voir maintenant, avec un résultat pratiquement acquis d'avance. On voit mal comment Borg pourrait ne pas gagner, mais avec une question intéressante: combien de temps l'Espagnol tiendra-t-il face à Monsieur Tennis? Réponse dans notre émission et début de ce match donc immédiatement, avec au service et avec déjà pas mal d'échanges intéressants, avec au service donc Manuel Orantes, qui perd pour l'instant ses deux premières balles, 0-30. Thank you.
Et un murmure de, je dirais, de désapprobation de la part du public qui est venu. Faible, en l'occurrence il s'agit de Manuel Orantes, et quand Manuel Orantes fait une faute, on dit « Oh, vous l'avez entendu ». Et donc une finale finalement logique à laquelle nous assistons aujourd'hui. Certains auraient plutôt penché pour Barazzutti, l'Italien, qui est peut-être moins bien classé que Manuel Orantes, l'Espagnol, pour cette finale, mais qui a une forme physique meilleure que celle de l'Espagnol, qui commence à ne plus être tout jeune, mais qui joue toujours aussi bien. Vous allez avoir l'occasion de vous en rendre compte. En tout cas, puisque pour se qualifier, il a réussi à battre le Français Hayet, le Yougoslave Franulovic, et puis McNamara, et hier, avec un petit peu plus de difficulté, l'Espagnol Luna. Mais en tout, il n'a concédé, tenez-vous bien, que 13 jeux, soit une moyenne en gros de 4 par rencontre. Autant dire que M. Borg se balade. Mais que M. Orantes a de beaux restes. En principe, c'est Borg qui fait ce genre de coups, mais l'Espagnol les connaît lui aussi. Vous avez vu Orantes faire une amortie depuis le début de ce tournoi, c'est l'un de ses coups favoris. Beaucoup d'amortis pour essayer de tromper l'adversaire, mais pour tromper Borg, c'était pas si facile que ça. Orantes a récupéré un peu désespérément. Il n'avait que ça à faire, sinon il eût été passé. Le premier service de Borg passe bien. Première balle de break pour Borg. Passe très bien même ce service.
que tes spectateurs continuent à passer devant moi, ce qui m'empêche de voir une bonne partie du match. C'est ennuyeux. Ça va s'arranger. Deuxième salle.
Je m'en. Deuxième salle. Une balle. Borg mène 3-0 dans le deuxième set. Trente secondes.
bobo. Dans le deuxième set, il gagne le premier. Mène 5 jeux à 0 dans le deuxième set et gagne le premier.
30 secondes. Flèche de balle. Deuxième service.
40 ans. Égalité. Avantage, bord. Tête de balle.
Deuxième serment. Partout. Troisième set. De balle. Thank you.
Ouais. Mais je sais pas comment on va faire. On va voir. Bonjour, nous sommes sur le cours central du parc impérial à Nice sous un ciel parfaitement bleu et un soleil qui fait déjà penser aux vacances d'été. Et face à face pour cette finale d'un tournoi coté à 50 000 $, le Suédois Björn Borg, tête de série numéro 1, champion du monde et tout, et l'Espagnol Manuel Orantes, tête de série numéro 2, mais dont on ne savait pas.